gonna be what I'm destined to be. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me. Tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans ce quatrième live de la semaine. Comment ça va-t-il les gens?
dites-moi tout, comment ça va, vous avez passé une très bonne journée. Bon, les températures sont en train de baisser, donc logiquement vous vivez un peu mieux les choses. Bon, dans l'atelier fait toujours aussi frais, et ça, ça fait plaisir. Alors, ce soir, objectif, tout comme hier soir, réaliser un tableau ensemble. Donc, d'ailleurs, j'ai pas posté là ce soir la photo du tableau d'hier, mais je le ferai demain, c'est pas un souci. Donc, on a réalisé hier un tableau d'un requin. Je peux vous le montrer, oui, on va aller le chercher ensemble. Hop, bienvenue sur mon Instagram, YouTube, tac, tac, ma chaîne. Alors d'ailleurs, pour info, tous les replays sont disponibles sur ma chaîne YouTube, JR Artist. Hein. Hop, on coupe le son. Voilà, je suis pas perdu, c'est bon. Voilà, il est là. Donc voilà ce que j'ai effectué hier avec vous et on l'a fait gagner. Plutôt sympathique, vous étiez content. Le gagnant forcément est content. C'était bien cool. Et donc ce soir on va faire la même opération, mais là on va choisir ensemble ce qu'on va dessiner. On va prendre le temps d'aller sélectionner une petite photo sympa sur Google Images. Donc moi j'ai envie de rester sur le thème animaux marins. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que j'ai envie de faire en tout cas. Avec des jeux de lumière, enfin de couleurs comme on a pu faire hier, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Et puis voilà, petit live tranquille, qu'est-ce que vous en pensez? Salut Dim! L'idée te plaît Dim, c'est cool. Hop, alors on va rester sur Google et tout simplement on va aller chercher de la photo. Allez, Google Images. Alors moi j'avais comme idée soit un animal marin comme la raie, parce que la raie est moyen de faire un truc sympa, ou alors un animal non marin comme un caméléon ou quelque chose comme ça. J'ai aussi cette idée-là en tête depuis quelques jours. Le caméléon, c'est un peu facile puisque c'est déjà un animal qui change de couleur. Disons qu'on change pas vraiment le contexte de la nature, on va dire. Donc, on va aller voir ça. Salut Sébalex, bienvenue. Donc Ray Manta. Alors Ray. Ray Manta. Image. Bon, je pense que ça peut être assez joli, hein, cet animal voluptueux. Qui incarne un peu la sagesse, la douceur. Il vole tranquillou. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Hop, je vais réduire un peu la fenêtre pour que vous voyez tout comme moi. Voilà, impeccable ça. Bon, est-ce que vous avez passé une bonne journée, monsieur Dim et monsieur Sebalex? Oh, tristesse. Alors, faut qu'on trouve une image qui s'insère aussi bien dans un carré, puisque là, on va faire un tableau carré, 30 par 30 cm, hein, comme hier. Il faut que ça épouse la forme et qu'on puisse faire quelque chose de sympa. À la recherche de l'image. Oh, c'est chouette là. En fait, c'est déjà un tableau. Chouette, cool. Après, en tête, j'ai également, pourquoi pas, la réalisation d'un tableau avec un requin marteau. Et comme on a fait un requin hier, on va peut-être pas faire des requins deux soirs de suite. Alors, je viens de rentrer du boulot. La journée s'est très bien passée. Parfait. Elle s'est bien passée. Eh ben, c'est tout ce qu'on demande. Vous travaillez dans quoi, là? Vous souffrez un peu de la chaleur, vous, avec vos... Enfin, même si là, les températures ont baissé, en tout cas en Bretagne. Vous travaillez dans quoi? Extérieur? Vous êtes à l'intérieur? Une baleine, ça pourrait. Ah, une belle baleine à bosse. Vendeur Ikea, ok. Et donc c'est spécialisé dans un rayon plus qu'un autre, ou quand on est vendeur Ikea, on est amené à être un peu polyvalent? Parce que bon, j'imagine que celui qui est habitué à vendre des cuisines, il a quand même un petit peu de termes techniques à connaître. Il peut pas se mettre d'un coup à vendre des lits ou de la déco, quoi. Camille qui est serveur avec cette chaleur, effectivement. Camille est là.
En fait, ça dépend si c'est un resto qui a une terrasse, j'imagine. Parce que bon, si t'es sur un grand resto mais qui n'a pas de terrasse et qui a la clim, ça passe, t'es bien. Mais si t'as pas la clim, effectivement, c'est compliqué. C'est beau la nature, hein. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit tableau comme hier, les amis. Et on est en train de sélectionner ensemble, de regarder un peu ce qu'on pourrait faire comme sujet. Donc l'idée, c'est pourquoi pas un animal, pour rester un peu sur le thème animal, mais surtout un animal marin. Moi, je sais pas pourquoi, ça m'inspire en ce moment. Ça peut être stylé, ça, hein, sur un grand tableau, genre 1,50 m de long par 50 de haut. Ça peut être stylé. En ce moment, j'ai des grosses envies de faire des gros formats, des très grands tableaux. On part en live, hein, sinon ça prendra une semaine. Salut saucisson sec, bienvenue. Le coucou du saucisson, le fameux. Donc à la recherche, alors si vous avez des idées d'autres animaux que la baleine, je suis preneur. Ah, il est chouette celui-là. Avec la grosse bouche là. Alors, Dim, donc tu es donc sur le rayon. Libre service, donc c'est généraliste. Ouais, faut être un peu débrouillard et avoir des notions d'un petit peu tout, quoi. Cuisine, salle de bain, chambre. Ok, bah merci de partager avec nous. Je vous demandais un petit peu quels étaient vos métiers, savoir si vous étiez en extérieur, si vous souffriez des intempéries, etc. Mince, j'ai perdu celle que j'aimais bien là. Ah, j'avais dû cliquer sur une autre. Merde, je l'ai perdue. Un zèbre. Ouais. Allez. Un zèbre et on pourrait s'amuser à faire les rayures en couleur plutôt qu'en noir. Ah ouais, Camille en cuisine, bah tu m'étonnes. Ceux qui sont en cuisine là, et peu importe le type de cuisine, je pense. Hein. On va peut-être pas faire de zèbre parce que c'est du déjà vu. Hein. Regardez ça. Moi, j'aime pas faire des. Ben, voilà, c'est ça que j'avais en tête, mais bon, c'est du déjà vu et j'ai horreur de ça à faire des tableaux. En fait, je préfère m'inspirer d'une vraie photo que je détourne plutôt que de refaire un truc qui existe déjà. Il y a de l'idée là, dis donc. Faire des ailes avec les rayures j'allais dire de l'âne du zèbre. En cuisine, il fait chaud. Lundi, on était à 50 degrés. Pff. Puis même si tu as un ventilateur, tu brasses de l'air chaud, donc ça sert à rien. Bon, le zèbre, je dis non finalement. Car déjà trop fait. Le caméléon, c'est cool, mais dessiner un caméléon en couleur, bah, c'est ce que la nature propose déjà quelque part. Donc on va faire non au final. Alors j'aime bien la baleine. Je vais retourner sur l'idée de la baleine, avec EI d'ailleurs, pas avec AI, merci Julien. On va retourner sur l'idée de la baleine. Il faut juste trouver la photo qui va bien, parce qu'il faut qu'elle passe dans un carré. Un insecte, ça c'est cool aussi. Bien vu, ça pourrait être une. Bon, on fait un petit tour des photos, et si je trouve rien en 2 minutes, on va passer sur les insectes. Alors, libellule, j'aime beaucoup. Ça pourrait être aussi tout simplement une mouche, mais. Colorier. Je suis à Rennes tous les jours, monsieur Camille. Un phoque. C'est bien, vous avez des bonnes idées originales. C'est pas des animaux auxquels je pense de suite. Bon, la baleine, on va la laisser tranquille. Alors, insecte. On va taper insecte, on va voir ce qui revient le plus. Ça pourrait être marrant aussi, un insecte un peu badass, genre la menthe religieuse. Alors, scarabée, une fois j'avais fait un body painting scarabée. Je peux vous montrer si vous voulez. Il va falloir remonter un peu dans le temps. Hello le nono! Je me disais, mais il manque un truc, il manque nono là, c'est pas possible. Nono, il est toujours là d'habitude.
Nice, j'essaierai de passer demain. Alors moi, je suis ni dans une boutique, ni je suis dans mon atelier en fait, Camille. Je suis pas du tout dans un endroit ouvert au public, moi. Alors, on va aller. Je vais vous montrer le scarabée que j'avais fait, qui était super chouette sur une modèle qui s'appelle Kélia, qui est un amour, avec qui bah, j'ai pas fait de body painting depuis longtemps. Donc c'est cette modèle-là. Mais c'était un dessin plus vieux, plus vieux, plus vieux. Il y en a un paquet, hein. On en a fait des choses. On s'en rapproche là. Il semble qu'on s'en rapproche si je l'ai pas passé, j'espère. Je me suis déconcentré quelques secondes. Hop. Alors on monte loin dans le temps là. Celui-là, je l'ai fait avant mon voyage aux États-Unis, donc ça fait 3 ans normalement. Parce qu'après, justement, bah, j'ai mis des photos où j'étais aux États-Unis. Ah, il est là. Tac. Donc voilà, j'ai fait un beau scarabée en couleur. Et j'ai laissé les ailes qui normalement sont transparentes. Je les ai mis en couleur un peu dorée. Et l'idée, c'était de dessiner avec des hiéroglyphes pour que ça fasse un peu égyptien. Parce que le scarabée, c'est aussi un animal de la mythologie égyptienne. Le dessin dont je suis le plus fier. Il était cool ce body painting. Ah, regardez, un ours dans la même série des animaux. Le dessin dont je suis le plus fier. En fait, j'ai des dessins qui m'ont ouvert des portes et m'ont permis de vivre des moments super cool. Mais le dessin un masterpiece, bah si ça doit être quand même le tableau que j'ai fait pour Morgan VS ou mon multitête que j'ai encore, où j'ai passé beaucoup d'heures. Hop, je vais vous montrer. Voilà, donc ça, si en fait c'est peut-être celui-là. Alors celui-là c'est un tableau très grand, il fait 1m20 par 1m20 de côté. Et j'y ai dessiné toutes les têtes que je kiffe. Des youtubeurs, des acteurs de cinéma, des influenceurs, des rappeurs. Et là, en fait, ce tableau représente bah, les gens que j'ai kiffé de toute ma vie. Tu vois, on commence avec Inspecteur Gadget, il y avait des Super Nanas. Après, il y a des rappeurs que j'ai rencontrés, comme Lil Pump, Vald. J'ai rencontré Offset également. J'ai rencontré également. Alors ici, on a Tonton Akram, youtubeur automobile. J'ai rencontré 6ix9ine. On a pu lui offrir un tableau et un sweat que vous pouvez retrouver sur mon Insta si vous le voulez. Trippie Redd également, je l'ai rencontré mais je n'ai pas pu avoir de photos avec lui. Je suis tombé un peu au mauvais moment, il est pas trop en vie. Je l'ai croisé en fait en sortie de restaurant, je ne vais pas vous mentir. Je savais qu'il était là mais il n'y avait rien de prévu. Il n'y avait pas de rencontre prévue cette fois-ci. Wiz Khalifa qui est juste au-dessus, que j'ai pu rencontrer grâce à French Balou, qui l'avait interviewé et qui lui a offert 2 tableaux. Et le dernier que j'ai pu rencontrer, c'est qui. Que j'en oublie peut-être. Il y a Kobalade quelque part là. Je crois, non, je crois que j'ai pas dessiné Kobalade, mais je l'ai rencontré. S'il est là dans le coin là. Voilà. Bon, ça c'est un de mes tableaux dont je suis le plus fier. Et sinon, dans le même style, j'en ai fait un pour Morgan VS, Morgan Nickey. On l'a fait pour. Enfin, je lui ai offert pour la vidéo de ses 1 million d'abonnés. Et donc j'ai pu passer dans la vidéo. Il y avait également Norman, donc c'était un petit peu petite satisfaction quand même de pouvoir passer dans une vidéo avec Norman fait des vidéos. Plus Morgane, en plus on s'est régalé, on a goûté des sandwichs au homard juste incroyables. Et alors le tableau, voilà. Donc il y a un extrait ici, je vais pas vous le mettre en entier parce que bon, en plus ça charge. Voilà, tableau pour Morgan VS. Alors tapez Morgan VS hein, si vous connaissez pas. Sur YouTube, vous trouvez très vite. Bernie, il est là le Bernie. Bienvenue Bernie, ça fait plaisir de te voir toi aussi. Yes, 1 million dans le resto qui s'appelle Homer ou Hamster, quelque chose, Paris, à Paris. Et donc ce tableau-là, j'ai passé beaucoup d'heures dessus. Donc c'est toutes les personnes avec qui Morgan a pu faire des vidéos avant son 1 million d'abonnés. Il était super content. Et moi aussi. Et surtout, le tableau est très grand aussi. Il fait 1m20 par 1m20 et ça rendait super bien. Tac. Bon, après, tous les tableaux ont un peu leur histoire. Il y a beaucoup de commandes, de choses comme ça. Hop.
Bon, tout ça pour vous montrer le scarabée. On en a fait du chemin. Bon, on se reconcentre. Il faut qu'on trouve ce soir un insecte que l'on va dessiner. Donc l'idée, c'est de trouver un insecte un peu auquel on n'aurait pas pensé de suite. Ah non, c'est la saison des moustiques, mais je ne vais pas dessiner un moustique. Hein, je ne vais pas leur faire cette satisfaction. La montre religieuse, c'est assez, ça peut être cool. Hein. Bon, elle est stylée, celle-là. Donc Bernie, si tu as une idée d'insecte ou d'animal qu'on pourrait dessiner après avoir fait le requin d'hier, les idées sont les bienvenues. Ce soir, c'est un peu moins préparé, hein. Je vous avoue, c'est tranquillou. Alors, libellule. Si je fais une libellule, moi, me connaissant, je peux pas la faire qui vole dans le vide. Il faudrait forcément faire un support. La punaise Picasso. Ouais, libellule. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, une belle libellule, là, avec leur effet métallisé comme ça. J'en ai vu beaucoup en Corse, dans les ruisseaux. Après, une libellule, si je la dessine, ça va être vite vu. Hein. Il n'y a pas beaucoup de surface. Hein. Je vais passer beaucoup de temps sur les ailes parce qu'il y a plein de petites sortes d'alvéoles là, comme vous voyez. Mais bon, ça, à la limite, ça va assez vite. Ce qui est compliqué quand je fais des alvéoles comme ça, c'est qu'il faut que ce soit symétrique sur les deux ailes. Parce que j'en ai déjà dessiné pas mal des libellules hein, en body painting souvent. Ah, oh, punaise Picasso. Elle a genre les yeux pas droits. Ouh, punaise Picasso. Ah ouais. Allez donc. Je crois que les punaises, c'est un des insectes en tout cas qui me répugne le plus. Là. Cette odeur quand tu les écrases, c'est juste horrible. Ah, rien que de la voir, là, ça me... Je suis pas trop... J'ai pas peur des araignées ou tout ça. Je suis pas trop sensible aux insectes de façon générale, mais les punaises, ça me répugne, ça me berque, ça me dégoûte. Ouais. Comme quoi, ensemble, on découvre plein de choses. Libellule coccinelle, regarde la punaise Picasso, ouais, très belle. Un phasme. Ah, c'est pareil, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de surface à dessiner, quoi. Et puis si je vous fais gagner un tableau d'un phasme, oh, tiens, un scorpion. Les punaises, t'as juste pas envie de tomber sur une punaise. En fait, on va transformer le live dessin en live. On découvre et on se rappelle de vieux animaux qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ah, je ferais bien un tourteau. Comme ça ira avec le requin. On se fait une petite série animaux marins. La colibri, c'est très stylé. Papillon, ouais, merci. Les papillons, j'en ai dessiné des milliers. Trop basique, comme tu dis. Ou alors, on se fait un bon gros tourteau centré sur le carré, ça peut être cool. Puis bon, c'est rigolo d'avoir un tableau d'un tourteau genre dans sa cuisine. Ça peut être rigolo, quoi. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent bien les tourteaux, mais moi, j'ai plus jeune, puis même... Encore le week-end dernier, d'ailleurs, j'ai plongé en apnée. Les tourteaux, j'en ai ramassé un paquet, moi, pour les manger. Parce qu'à une époque, j'étais pas mal pêcheur en apnée. Surtout dans le Morbihan, parce que mes parents habitent par là. Et mon père a un bateau, donc on a toujours fait un petit peu de plongée comme ça. Et tourteaux, j'en ai ramassé un paquet, ouais, au fond de l'eau. Bon, au final, la première photo, là, était cool. Parce qu'on voit bien les pattes. Je crois qu'on va prendre ça. Moi, je partirais bien là-dessus. Hippocampe, j'en ai déjà dessiné aussi en body painting. Ça m'intéresse moins, honnêtement. Oh, pas se mentir. Hop, je l'ouvre dans un nouvel onglet pour l'avoir en HD. Hop, je la mets là. Et puis, repartir sur le tourteau.
c'est décidé. Ouais, tu vendais bah oui, du crabe autour, au resto. Tu fais quoi comme spécialité dans ton resto, Camille? Ah, Emoshi, il est du Morbihan. C'est un gars bien. Moi, je suis né dans le Morbihan à Hennebon. Alors, je prépare mon petit setup et puis on va se faire un petit tourteau, hein, les gars. À Lorient. Il est né à Lorient, le Emoshi. Tu habites par là. Allez, hop, je mets, enfin je vous mets vous sur mon deuxième écran. On va s'amuser avec le tourteau, puis en plus il y a pas mal de surface, d'ombre. C'est l'animal parfait pour ce qu'on veut faire ce soir. Hop. Alors je vous demande un instant, je fais mes petits réglages. Voilà. On n'a jamais assez d'écran en fait. Comme ça, je vous ai ici. Je peux lire ce que vous marquez. Le filet de bœuf. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ah oui, je te demandais ce que vous faites dans le resto. J'ai pas compris là, le filet de bœuf d'un coup sorti de nulle part. Allez, on passe sur l'écran qui va bien pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. C'est pas mal là. On est pas mal. Je vais baisser un peu la luminosité de cette lumière là parce que ça m'éblouit. Hop. Alors pour la lumière, c'est sur l'iPad comme ça. Avec El Gato. Je peux tout gérer, c'est trop bien. Voilà, on baisse un peu la lumière là, comme ça m'explose moins les yeux. Alors question, hier j'ai eu des remarques sur YouTube que la musique était trop forte ou pas assez, je sais plus. Trop forte sûrement. Je pense que l'équilibre est plutôt pas trop mal. Filet de bœuf en pastilla avec des foie gras chauds, ah ouais bien. Sinon en entrée, de Saint-Jacques. Ok, bah tu vas m'inviter dans ton resto, hein, voilà, je pense qu'on peut... Hein? Ça peut être pas mal. Allez, on se met en place. Tac. Et puis on va partir sur... sur la... Bah, comme hier, hein, la première étape, vous savez, hein, vous connaissez la recette maintenant, c'est positionner le dessin. Alors, je vais tourner un peu la caméra pour zoomer plus sur le tableau. Allez, mise au point, tu peux y arriver. Hop. Et fais la mise au point sur l'arrière de ma pièce là-bas, là. Comme hier. En fait, j'ai un super appareil photo, mais je ne sais pas l'utiliser. Tout ce qui est réglage, là, pour qu'il soit en automatique, etc., ou en manuel, je ne sais pas faire. Alors.
Voilà, j'ai trouvé une technique. Ouh, pas facile la vie, hein. Monsieur Neck 2.0, bonsoir, bienvenue. Alors, ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver, on se fait un... On se fait quoi? On se fait un crabe. Hop, hop. Hop, je vous remonte ça. Voilà. Donc, bah, là, c'est le logiciel que j'utilise pour pouvoir zoomer, dézoomer. Là, j'ai pu symboliser, vous voyez, le carré qui est en fait le tableau. Comme ça, voilà, vous savez tout. Hop. Donc, ce soir, c'est tourteau. Pas dans l'assiette, mais sur le tableau. Bon, déjà, là, le corps va aller à peu près de là à là. Le corps ensuite représente à peu près un tiers, voilà, là, il y a la petite bouche qui revient comme ça avec les deux yeux ici, enfin les deux yeux sont là en fait, hein. Et ensuite on a une sorte de petit pont comme ça là, pas bon. Et quand c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'efface. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, on travaille Saint-Jacques, ok, tac. Châteaubourg, d'accord. Je pensais que c'était à Rennes. Je serais le bienvenu, bah oui, bien sûr. Je suis un gourmand, alors bon. Hop, allez. J'avoue que ce soir on a un peu blablaté Neck 2.0 avant de que j'avais appelé que je vais t'appeler Neck Plus Ultra en fait, parce que j'allais encore faire l'erreur. Donc si tu l'acceptes, je vais t'appeler Neck Plus Ultra. J'arrive pas à lire en fait, je suis un peu autiste. Pas autiste mais dyslexique. Autant pour moi. Alors, première étape du dessin, placer le dessin. Alors ouais, l'idée c'est de faire effectivement dans le même style qu'hier, c'est-à-dire en couleur. Hein. On reste un petit peu sur la série. Moi, j'aime bien travailler par série. Thank you.
Donc, je voulais rappeler hier, mais pour rappel, si un jour vous avez un projet, que vous voulez que je dessine votre chat, votre chien, votre grand-mère, votre famille ou tout ce que vous voulez, bah, je travaille sur commande. Est-ce qu'il y en a parmi vous là qui me regardent, qui m'ont découvert sur Twitch et qui découvrent vraiment mon travail, on va dire. Allez, aujourd'hui c'est couleur, Bernie. Salut Billy 566, bienvenue, première fois que tu lâches un petit commentaire, ça fait plaisir. Lâchez-vous les amis, on est là pour échanger, pour discuter, c'est chill. Hein. Là c'est soirée dessin sur tableau. Hier on a fait un requin, aujourd'hui on se fait un petit tourteau. Voilà. Je dessine le tourteau et puis tout à l'heure Monsieur Camille va nous préparer une petite mayonnaise maison. C'est un travail d'équipe. Là, je fais exprès de ne pas mettre les pattes exactement pareilles. Hein. Alors, paire d'Air Force, oui, bien sûr, j'en ai d'ailleurs une à faire là, actuellement, que je vais essayer de faire demain. La journée, j'ai pas arrêté de courir aujourd'hui. Là. Je vais essayer de la faire demain, en même temps que ma machine brode. Que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une machine à broder industrielle, et en fait, depuis quelques années maintenant, je sors des suites. Avec mes dessins dessus que j'ai programmé et fait broder moi-même du coup avec ma machine. C'est trop bien parce que je peux créer autant que je veux, c'est limité en fait. Les seules limites c'est mon imagination. Et du coup bah, dans mon atelier j'ai cette machine à broder industrielle. Peut-être qu'un jour je vous ferai un live en mode visite du local. Je vous raconterai un peu l'histoire de tel et tel objet. Bon après on a vite fait le tour aussi. Hein. Mais un jour, on sera peut-être un plus un live où on blablate juste, et puis je vous ferai un peu la visite, comme ça peut être cool. Alors. Alors, grâce au concours Glock avec Tactic Shop, effectivement, j'avais customisé un Glock, et je l'ai fait gagner d'ailleurs. Ouais, t'avais peut-être déjà vu des travaux à moi avant, mais tu savais pas forcément qui j'étais. Ah bah si tu sais faire la mayo, pour moi t'es bon à marier. Hein. J'aimerais bien en commander une. De quoi tu parles? Alors du coup Camille, d'un tableau ou de quoi tu parles? Ah ouais Nono, sur Insta. Alors Nono, tu m'as découvert sur Insta, mais avec quel premier post? Est-ce que tu te souviens? Il y a un truc qui t'avait marqué? C'est intéressant pour moi de savoir un peu bah, d'où vous me connaissez et tout ça. Pour une fois, enfin maintenant que je fais du live et que je peux échanger avec la communauté, c'est quand même plus sympa quoi. Ok, Bernie. Ah oui, ok, Camille. Bah, désolé, il y a un petit temps de latence, en fait. Je parle et vous répondez aux questions d'avant. Et comme je suis un poisson rouge, bah, j'oublie les questions d'avant. Faudrait que je vois si je peux réduire le temps de réponse. Tac. En tout cas, si tu veux une paire d'Air Force, bien sûr, tu peux me contacter en DM et puis on voit ensemble ton projet. Et puis on voit comment ça fonctionne, qui commande la paire, est-ce que c'est toi ou moi, et que c'est Thierry, etc.
Je vous ai mis une petite musique d'ascenseur là. Et James qui m'a connu avec Show. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que vous revenez là, plusieurs soirs d'affilée, franchement. Franchement, ça me fait plaisir. C'est une petite famille, une petite communauté qu'on est en train de créer ensemble. Puis au fur et à mesure, vous échangez aussi entre vous. C'est cool. Ça me plaît vraiment, Twitch. Honnêtement, hein, c'est une belle découverte pour moi de pouvoir partager avec vous mon temps, mes créations, mes conneries. Bon, là, on a bien posé le dessin, maintenant, il faut retravailler un peu les formes. Hein. Là, c'est juste le brouillon, en gros. Hein. Qu'en pensez-vous déjà de la disposition? Je trouve qu'on n'est pas trop mal. On a le même écart là et là. Là et là. Moi, j'aime bien que ce soit à peu près centré quand même quand je fais des dessins. Ah, bon, on n'est pas là pour pinailler, hein. Ma musique chez Ikea, merde. Tu as passé ta journée à l'entendre et là je te remets une petite couche. Alors je pense qu'il faut que je fasse un peu plus rond. Je me rends compte là en prenant un peu de recul. Alors, j'ai envie de commencer par une pince, tiens. Ah ouais, Camille, tu me connais depuis là au moins 3 ans maintenant, si tu m'as connu lors de la Jeep. Ah, pardon, depuis tout à l'heure je parle encore sans avoir remis le micro. Faudrait que j'ai une alerte micro coupée sur l'écran. Bon, je disais rien d'intéressant à part que j'ai des Posca qui sont fatigués et qu'il va falloir que je renouvelle un petit peu le stock. Deux minutes de blabla dans le vent, quelque part, ça vous fait des petites vacances, c'est pas mal. Alors, en face de cette pince bleue, moi, je verrais bien des pinces roses.
Vous me loupez pas, hein. Deux minutes que tu pars dans le vent, connard. À la force, ça arrivera de moins en moins quand même avec l'habitude. En tout cas, je vois que vous êtes là pour me corriger, ça c'est bien. Le premier bleu là, ouais, il est stylé. J'aime bien ce bleu là aussi. Alors, je vais pas faire une symétrie parfaite, hein, sinon ce sera pas joli. Oula, ce jaune là il est tout sec. Ouais, il faudrait que je mette un gyrophare quand je coupe le. Quand mon micro entend que je parle mais qu'il est coupé, il faudrait qu'il mette un gyrophare. En fait, si je regardais, le rond là, du micro devient rouge quand il est coupé. Mais bon, comme je suis concentré sur le dessin, etc., je me fais avoir, quoi. Mettre tout l'arrière là un peu en rouge, ça va être stylé, un beau rouge pétant. On commence à connaître, hein, là c'est couleur de fond les gars, hein. Je croyais avoir encore un rouge moyen, mais j'ai pu faire du coloriage avec ça. Alors, dès que j'ai du coloriage de grande zone à faire comme ça, je préfère ne pas utiliser les Posca qui sont trop petits pour le faire, puisque ça va les user plus vite qu'il ne faudrait.
Je vais pas prendre le temps de vérifier si je l'ai pas en plus gros. Et puis bah on gagne aussi du temps, alors même si c'est que quelques secondes au final. Quelques secondes après quelques secondes sur un tableau où je passe une semaine par exemple, bah ça joue vite. Ah bah ça, pour le nom du crabe, je vous laisse trouver. Nautilus, c'est pas un truc qui a coulé. Non, je pense que, comme pour les chats, si on devait lui trouver un nom, il faudrait que ce soit un nom ridicule. Sébastien. Sébastien, moi j'ai la ref en tout cas. Je sais pas si vous avez la ref. Je l'ai. Au crabe dans Tintin. Ah, au crabe d'or, passe au crabe d'or, c'est comme ça. Bah, Sébastien, moi j'ai la ref. Je vais vous laisser le temps de trouver quand même. Ah oui, la petite sirène. Bon, après, ça dépend de vos générations, les gars. Allez, on va se refaire une couche de rose là, parce qu'il est un peu trop pâle. On veut une bonne couche bien épaisse pour que la couleur soit belle. Je sais pas si tout le monde a la ref. Hein. C'est quoi pour vous les dessins animés vraiment de votre enfance? Moi j'aimais bien Inspecteur Gadget, Tintin, Lucky Luke, Astérix. La petite IRL, ouais, j'ai dû pas mal le regarder quand j'étais gamin. Et Arnold plus tard. Inspecteur Gadget, je l'ai mis sur mon tableau multitête que je vous ai montré tout à l'heure. Sur Ibi. Ouais, Nono, t'es un vieux en fait. Non, mais avoue. Tu t'es grillé là, hein, d'un coup. Nono, t'as plus de 40 ans, avoue. La pointe terre rose. Ah ouais. Ah, moi, quand j'étais gamin, je supportais pas les Dragon Ball, tout ça. Tout ce qui était manga, c'était pas mon truc, quoi. Je sais pas pourquoi. Je crois que je trouvais ça un peu surjoué, enfin, pas réaliste. Les combats, là où ils volaient et tout, je devais pas trop comprendre. Pareil, les Power Rangers, tout ça, j'étais pas fan. Bah oui, Nono, j'en doute pas. Tu es jeune, dans ta tête. La famille pirate, pour moi, c'est plus vieux. Tintin et Lucky Luke, c'est... Ouais, je dis oui. Après, il y avait les minicums aussi. Je sais plus si c'était sur la... La 2 ou la 3, les minicums. Je crois pas que c'était sur TF1. Hein. Oh, c'est live émotion et rappel de la TF France 3, c'est ce que je pensais.
Avec France 2, je ne sais même pas s'il y avait des dessins animés sur France 2. Puis avec des téléachats. Dire que le téléachat de l'époque, c'est notre, notre feed Insta maintenant, quoi. Avec toutes les merdes qu'on nous propose, hein. Peut-être un TikTok aussi. C'est bon téléachat, ça, d'aujourd'hui. Pingu. Nut. Alors, de quelle couleur on va lui faire la tête? Je vais me prendre une petite boisson, j'ai soif. Ce soir, c'est Perrier. Ah, fais-le bien. Alinéa. Nut. Ils ont sorti un t-shirt comme ça où tu vois Pingu qui fait Nut Motherfucker. C'est écrit Nut Motherfucker et il m'a bien fait marrer ce t-shirt là. Je crois que j'avais vu dans une vidéo de McFly et Carlito, il le portait. L'un des deux, il le portait. Je crois que je l'ai vu sur les réseaux et ensuite j'ai vu McFly qui le portait. Ou Carlito, je sais plus lequel. McFly, je crois. Alinéa, de quoi vous parlez? C'est un dessin animé? Alors, je suis sûr que tu tapes t-shirt pingouin et je pense que tu le trouves. On va regarder si on le trouve, comme ça va faire bien de faire une petite pause là. Hop, on ouvre Google. Oup. Ah, non, ça me parle pas votre petit bonhomme là. Avec l'astronaute où j'ai mis un peu une phrase similaire, j'ai appliqué un peu l'idée, j'avoue. Astronaute, j'ai fait ce tableau avec l'astronaute et je l'ai fait en t-shirt, en sweat pardon. Hop, ça va mieux m'entendre là. Alors, il est où ce sweet? J'en ai fait des choses, hein, quand je vois ce feed. Bon, je l'ai loupé, je pense. Ok, il est là. Pas mis en photo, c'est un truc de fou ça. Je ne le trouve plus. C'est bizarre. C'est quoi ça?
Ah bah il est là. Salut de l'espace, motherfucker. I from space. Avec du fil phosphorescent qui réagit à la lumière noire et qui ensuite reste éclairé dans le noir. Et donc dès que je sors des suites, vous voyez, je fais des numéros, enfin des suites numérotées comme ça. Bon, tout ça pour voir Alinéa et que je vous montre le petit truc Pingu. Hop, allez, on s'y remet ou quoi les gars? Bientôt sponsor par Perrier, tu crois? Moi je dirais pas non hein. Tout ce qui est cartoon, effectivement, un peu dérivé, ça plaît. Hein. Aujourd'hui, c'est intemporel, quoi. Bah, Dim, on est de la même année. Hein. C'était sur Arte, ok. Alinéa, ouais. Au boulot. Ouais, au boulot, là, les gars, au boulot. Et ça va bien avec le rouge, le vert turquoise. Là. Bon, par contre, on est d'accord que la musique, ça va plus trop là. Hein. Hop, on va changer ça. Hein. Oh. 1986, 2003 perso. Bon bah c'est bien, on a un petit peu de tout. 2006, c'est Valex. C'est bien, comme ça on peut échanger. Demain, ça va être live programmation vidéo avec Show H1. On va faire ça. Ça va peut-être être un peu moins agréable parce que vous allez voir que en montage, on fait beaucoup de réglages de son et de pour caler la vidéo et tout ça. Je vais pas pouvoir vous caler, vous mettre une musique tranquille tout du long. Vous allez vivre avec moi ce que c'est qu'un montage et puis voilà. Hein. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent faire du montage vidéo? Nono! 1974! C'est quel âge ça? Et 48, ok. Je fais le petit calcul dans ma tête.
Bon, bah comme ça, vous découvrirez un petit peu ce que c'est que Premiere Pro, le logiciel que j'utilise pour le montage. Voilà, bon, j'espère que ça vous intéressera. Hein. Je me suis mis il y a peut-être 3 ans, depuis que j'ai ce PC là, qui est juste trop bien, parce que bah faut un PC quand même qui tient la route, sinon c'est un peu laborieux, c'est très lent, etc. Enfin, bon PC, et puis j'ai un écran en 32/9, c'est un écran qui doit faire 1m20 de long sur 40 de haut, 32/9, hein. Je crois que c'est 49 pouces, un truc comme ça, donc un écran incurvé très grand. C'est un petit peu l'équivalent de 3 écrans 7/9, 29 pouces je crois. Et en fait, pour la timeline, c'est juste trop bien. Et merci Pictobui pour ton petit follow. D'ailleurs, je vous invite à vous follow les amis, on a passé les 300. Hein. Je suis plutôt content de notre ascension. J'étais à 220 je crois quand j'ai commencé la semaine dernière. J'étais déjà à 220 parce que j'avais fait des lives avant. Mais là comme mon but c'est d'obtenir l'affiliation Twitch, bah, je charbonne, comme ça j'ai l'affiliation et ensuite on pourra continuer plus tranquille. Disons que là si j'arrête de faire les lives je vais perdre l'affiliation, parce qu'en fait, il faut faire au moins 9 jours différents de live pendant... Non, il faut faire 7 lives différents sur 7 jours différents. Mais dans un créneau de 15 jours, quoi. Parce que sinon, en tout, j'ai fait plus de 7 lives, moi, avec ma chaîne Twitch, mais il y en a, ça fait longtemps, et du coup, bah, j'ai perdu le fait que je puisse devenir affilié, quoi. Donc, faut recommencer à chaque fois. Donc là, l'objectif, c'est de faire au moins 7 lives, comme ça, plus ou moins rapprochés, là. Donc en 2 semaines, on va y arriver, parce que je vais en faire une dizaine. Et une fois que je suis affilié, je pourrai être un peu plus peinard. Au moins, j'aurai acquis. Enfin, j'espère. Merci Maxime, pour ton petit follow. Bienvenue dans l'équipe. Alors qu'est-ce que vous me dites les beaux gosses? Ouais, merci Pictobouille pour ton follow. Je me suis perdu, je peux pas faire de dons sur l'appli iPhone. Bah alors en fait aujourd'hui vous pouvez pas encore vous sub, c'est-à-dire faire un don là de 5 et quelques euros. Parce que je suis pas encore affilié justement. L'affiliation c'est une des options que ça offre. Une fois qu'on est affilié, on peut commencer à demander des subs. Donc les subs, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un sorte d'abonnement, un peu comme YouTube Premium. Ça vous permet de ne pas avoir les pubs. Pour savoir résumer, hein. Le crabe va être super beau. Ouais, bah, comme vous savez maintenant, hein, quand je vais commencer à mettre du noir, bah, ça va bien péter, ça va être cool. Le seul moyen de faire un don là, c'est d'aller dans ma bio Twitch où effectivement là j'ai mis un petit truc qui te permet de faire un don. Bon après, c'est pas forcément ce que je vous demande non plus. Hein. Mais je l'ai programmé. C'est assez intéressant d'ailleurs de... Enfin, moi j'aime bien hein, toucher un petit peu à tout comme ça et je trouve ça intéressant d'aller programmer des chaînes Twitch, tout ça, c'est un truc que j'aime bien. Donc j'aime bien faire les lives, j'aime bien programmer Twitch. Que du plaisir en fait Twitch. Je suis un peu un touche à tout moi. Hein.
Allez, je vais reprendre le rouge un peu et on va faire des petites taches rouges. Il faut que je commence à dessiner un peu les ombres aussi du crabousse là. Alors Maxime, oui, effectivement, je fais des portraits, je travaille sur commande moi depuis des années maintenant. D'ailleurs, pour rappel, en fait, donc il y a mon compte Instagram, JR Artiste, mais sur mon compte Instagram, faut savoir que je ne mets que ce qui est partageable. Je fais énormément de portraits de famille et des choses comme ça. Et bah forcément, ça, je peux pas le mettre sur Insta puisque bah, c'est privé. Mais effectivement, je fais ça. Donc tu peux venir sur Instagram en DM, me parler de ton projet si tu le souhaites, et puis bah, je te dirai un peu comment ça se passe. Mais je fais souvent, donc ouais, 60% de mes tableaux que je réalise depuis des années maintenant. C'est des portraits de famille, ou alors souvent c'est des cadeaux pour des crémaillères. Les amis se regroupent pour faire un cadeau. Et comme ils connaissent bien la personne, en général, bah, ils font un tableau, où ils me disent un petit peu tous les personnages qu'ils aiment bien, que ce soit du manga, des films ou autre. Et je peux lui faire ça, par exemple. Bah ouais, deck 2.0, moi je suis pas trop du genre à faire une tâche et m'en contenter, quoi. J'aime bien découvrir des nouvelles choses. Je suis curieux de base, tu vois. Et puis j'aime créer des choses. Que ce soit informatique ou faire des lampes en bois ou faire des tableaux, des dessins, c'est moi ça. D'ailleurs, petite info en avant-première, là je suis en train de, si tout se passe bien, d'investir dans une maison qui me permettra d'avoir un atelier. Et quand j'aurai un atelier, genre un vrai atelier, eh bien, je vais me remettre à faire un peu tout ce qui est création, lampe en bois, tout ça, c'est les choses que je faisais avant de me mettre vraiment au dessin, ça d'ailleurs. Et j'en ai vendu hein, à l'époque. Oh, mon premier don. Bah, merci beaucoup, Camille. T'étais pas obligé. Mais tu es mon premier don. Incroyable. Ah ouais, du coup, ça m'envoie un mail et tout. C'est instantané. Ça marche quand même pas trop mal. Donc merci beaucoup à toi. Tu es mon premier don. Je ne t'oublierai jamais. Alors, Maxime. Portrait de famille. Je demandais car j'ai jamais vu ton compte Insta. Après, je comprends que tu publies pas. Bah oui, forcément, ça reste des projets privés. Ouais, je peux te montrer des exemples. Pas de portrait de famille, mais. Tac. Alors, je repasse sur ma page. Ah oui, il faut que je passe là. Hop, Insta. Donc typiquement, tout à l'heure je vous ai montré un tableau multitête, je sais pas si tu étais déjà là Maxime. Donc même par exemple là sur les chaussures, tu vois, la personne m'a demandé les têtes qu'il voulait. Bon là, il se trouve que c'est... Ah non, c'est pas ma paire ça. Non, ça c'est une commande. C'est une commande client, c'est pas ma paire, je confonds. Parce que forcément moi j'ai une paire perso. D'ailleurs ça fait un petit moment que je l'ai pas mis. Depuis qu'il fait beau, c'est claquette, hein. Enfin, tombe. Alors, voilà, par exemple ça c'est une commande client, donc j'ai pu la mettre en ligne puisque c'est pas des têtes de grand-mère, donc j'ai pu, c'est des mangas, mais là typiquement c'est un client qui m'a demandé les mangas qu'il voulait. Ici j'ai fait un tableau à partir d'une photo, et le client m'a demandé d'adapter, parce que normalement dans le film La Haine il y a cette scène où ils sont en train de couper les cheveux devant, devant un miroir, et normalement ils portent un vrai flingue, et moi j'ai modifié, j'ai mis le pistolet à billets. Hop, ici j'ai fait un. Bon là je peux le montrer parce que c'est que des mecs de Twitch, Shoachin, Saxy, Skyrose, Mabswell, Birdie et. Merde. Oups, j'ai oublié ton blaze. Et donc j'ai offert à Shoachin ce tableau-là. C'était pas une commande, mais ça aurait pu. Ça, c'était une commande client aussi. Il voulait que je lui reproduise exactement cette photo. Les animaux, c'est toujours des créations à moi. Tout ce qui est Bob l'éponge, tout ça également. Et donc voilà, un multitête. Bon là, c'est un tableau que j'avais fait pour moi, mais tu peux me demander les têtes que tu veux.
La plus grosse commande que j'ai faite dans cet esprit-là, Norby, voilà, merci. Norby et Birdie, j'ai toujours. Enfin, je les confonds toujours un petit peu. Hop, je vous remets là-haut. Et donc, voilà, la plus grosse commande que j'ai faite, c'était assez ouf. C'était une commande donc sur mesure pour un client qui avait une salle de cinéma. Donc, bon, c'est un client, tout va bien. Qui a une salle de cinéma et qui m'a demandé que je dise pas de conneries. Il y avait 9 tableaux d'un mètre 50. Donc pratiquement 14 mètres que de photos de famille et des amis et tout ça. C'est quelqu'un qui connaissait beaucoup de monde et il m'a demandé 14 mètres de tableau de 50 cm de haut, donc sur 14 mètres de long, et un seul trait. Et donc j'ai mis plein de têtes de famille comme ça. Moi, c'est ce que j'appelle les multi-têtes, ce genre de tableau-là. Voilà, les amis. Bon, on continue Scrabousse. Non, pas celui-là, celui-là, voilà. Comment t'as fait pour avoir des emojis comme ça, là, Bernie? Bernie Cator! Ouais, tu viendras sur Insta et puis on fera ça tranquillement. On n'est pas rendu à la fin de notre crabe là en fait. Hein. Il y a tous les détails maintenant à mettre. Alors, avec des couleurs plus foncées, je vais venir dessiner les détails, c'est-à-dire les zones plus ombragées, j'allais dire. Vous voyez, tac. Je vais zoomer un petit peu, vous verrez mieux. Pictobulle. Je t'ai commandé il y a 2 ans un tableau. Il y a 2 ans, je pense, pardon, un tableau avec ma femme et mes enfants. Et mon enfant. Il est au-dessus de mon lit. Ben, merci de continuer à me suivre. Ah, ok, c'est chez Norby et Birdie les emojis. Et tu peux les transférer d'un compte Twitch comme ça à un autre. Je savais pas. Ah bah oui, parce que quand Show H1 il fait des hosts, les ultras ils vont tous mettre leur gros emoji ultra. Donc effectivement tu peux le faire. Ok. Ah, il faut ça, ouais. D'accord. Bah, du coup, moi, j'ai des emojis ultra. Parce que je suis chab à chaud depuis bientôt un an et demi. Bah, demain, je vous expliquerai, je vous raconterai la rencontre avec Show H1, c'était cool. Puisqu'on fera le petit montage de la vidéo que j'ai tournée avec lui. Ça va être servi en avant-première là. Alors, vous voyez les détails de suite là, ça donne le volume en fait. Ça met du volume au dessin, ça crée des formes, ça change tout. Et des petits points comme ça là, ça rajoute un peu comme si c'était craquelé, enfin c'est. C'est ce qui fait le détail.
Ouais, il était sympa le truc que j'ai fait à chaud, il l'a mis chez lui. Bah, c'était aussi pour lui un souvenir de cette de ce voyage au Mexique qu'il a fait avec les. Mince. Avec les Plouks. C'est comme ça hein, qu'il s'appelle ce groupe. Hop, alors là je cale une gomme pour caler mon tableau. Il a bougé là juste avant. C'est un petit coup de séchage. Alors, je viens d'avoir la remarque là, donc que j'ai oublié ici, mais en fait non, j'ai pas oublié. Mais comme je savais déjà que j'allais mettre du bleu plus foncé, ça servait à rien que je mettais que je mette du bleu clair. Quand on arrive à anticiper, comme ça, on gagne du temps et quelque part de l'encre. Bon, c'est un peu rare, mais en même temps, c'est plus tu rajoutes de couleurs et de couches, plus le Posca peut aussi faire une sensation bizarre de surépaisseur de peinture là, et c'est dégueulasse. Donc quand tu sais qu'il y a un endroit où il faut pas mettre de la couleur, bon bah de toute façon tu la mets pas, ça sert à rien quoi. Mon bleu là qui est fatigué, mais j'en ai un deuxième ici, voilà, parfait. Merci. Merci saucisson sec. Content de voir que tu continues à me suivre. Merci à Julie d'être passée par là pour te faire découvrir mon travail. Julie qui était la modèle sur qui j'ai dessiné mardi. Qui avait bien sûr repartagé sur son Insta et du coup à certains de ses amis ont joué le jeu et sont venus nous voir, c'est cool. Bon, après là où moi j'ai une valeur ajoutée, c'est que c'est moi qui rajoute qui fait les choix de couleurs et où est-ce que je le mets et puis comment est-ce que je le dessine. On peut se dire que c'est facile de dessiner un crabe hein, quelque part et de le colorier comme je fais. C'est rien de compliqué, mais personne ne le fera exactement comme moi. Chaque personne choisira des zones différentes pour mettre les couleurs et des choix de couleurs différents. C'est ce qui fait ma patte à moi, quoi. Donc typiquement vous voyez ici là le bleu n'est pas clean parce que j'ai dessiné sur le bleu clair alors qu'ici là où il n'y avait pas de bleu clair le bleu est nickel. Je vais en faire un petit focus je pense là. Voilà, c'est un peu mieux. Vous voyez là, le bleu, comme j'ai dessiné sur le bleu clair, bah il accroche moins bien en fait sur le support. Du coup, je suis obligé de passer une deuxième fois et encore, ça va pas être tout à fait ça. Bon, c'est pas très grave parce que quelque part, ça crée un espèce d'effet de matière aussi, donc c'est pas moche. Mais des fois, c'est pas voulu et enfin, on n'en veut pas. Donc, c'est bien aussi de savoir éviter ce genre de problème.
Alors bah tout simplement pour... Alors tu utilises quoi pour la lumière noire? Bah tout simplement des projecteurs UV, projecteurs de lumière noire. Sur Amazon, tu trouves tout. Voilà, j'utilise ça, petit projecteur. Simple, hein. Ça marche pas trop mal, c'est assez puissant. Bon, après là c'est un assez gros projecteur, hein. T'as pas besoin de ça, si tu mets ça chez toi, c'est peut-être surdimensionné. Moi ce que j'ai fait par exemple chez moi, qui fonctionne également avec les Posca Fluo, c'est de mettre un bandeau LED bleu. Il faut que ce soit un bandeau LED bleu derrière ma télé. Du coup, ça crée un halo bleu tout autour de ma télé et puis bah derrière tout le mur quoi. Et du coup, ça fait ressortir certains tableaux que j'ai chez moi qui sont réalisés en fluo. Donc ça peut être ça l'idée aussi, plutôt que d'aller acheter un projecteur lumière noire. C'est pas très sexy non plus de ranger ça dans son salon quoi. Après, il existe aussi des rubans LED de lumière noire. Sur Amazon, tu trouves tout ça. Hein. Enfin, moi, je suis un peu bro Amazon. Donc, des projecteurs comme ça, j'ai dû en acheter 3 ou 4 et que je déplace quand je fais des expos et que je veux mettre en valeur mes tableaux avec la lumière noire. Et on est aussi des plus petits. J'adapte aussi à la taille du tableau, quoi, puis à la surface. De rien, monsieur Camille. Après, l'idéal c'est que tu achètes soit des rubans LED qui changent de couleur ou alors des ampoules Philips Hue. Et comme ça, bah, tu choisis de mettre du bleu quand on a envie uniquement, quoi, tu vois. Du moment que c'est de la LED, ça fonctionnera. Si tu ne mets pas une ampoule bleue, ça ne fonctionnera pas. Faut que ce soit de la LED. La LED crée de l'UV. Là, t'es team Amazon Prime aussi. Hop, faut que je sèche. Bon, rassure-moi Camille, tu utilises quand même ton abonnement Amazon Prime pour Prime Video, qui est l'équivalent de Netflix. Parce qu'en ayant Prime Video, enfin en ayant Amazon Prime, tu as Prime Video. Sympa comme musique ça, non? J'ai tapé XXXTentacion, le rappeur, Lofi, et ça m'a donné ça. Ça me plaît bien.
Même pas. Tu n'utilises pas ton Prime Video. Après, t'as peut-être pas le temps de regarder des films. Hein. Je connais pas ta vie, moi, mon pote. On a grosso modo fait le tour. Il faut que je remette une couche de fuchsia ici. Ah merde, t'avais payé un an sans faire exprès. Tu t'es fait douiller là. Plein de petits abonnements à la con comme ça que j'ai, qu'il faudrait que j'arrête parce que c'est ridicule. C'est 10 euros par-ci, 10 euros par-là. Et au final, ça te fait 100 balles par mois d'abonnement à des trucs de merde que tu n'utilises même pas à 10%. Par exemple, je sais qu'une fois, il y avait eu un article sur moi dans Ouest France. Par impatience, plutôt que d'aller chercher le journal au bureau de tabac, j'avais pris un abonnement en ligne et je m'étais dit, bon, bah, je le couperai de suite après, quoi. Le truc, ça fait un an que je ne l'ai pas coupé et je paye 3 euros tous les mois, je crois, pour avoir Ouest France alors que j'ai jamais lu le journal de ma vie, quoi. Bah forcément t'as plus besoin de ton en fait t'as plus besoin de ton Amazon Prime puisque je regarde mes lives effectivement maintenant, bah, j'avais pas tilté. Je suis pas habitué encore. Alors oui, Willy, je fais toujours des vêtements, que ce soit du sur-mesure ou des vêtements déjà déterminés, on va dire, qui ne sont pas sur-mesure. D'ailleurs, je vous propose qu'on se fasse une petite pause et qu'on aille voir ça. Allez, la petite pause. Alors... actuellement, vous pouvez aller dans mon Instagram, dans ma story, j'ai peut-être mis le lien Bumblebee avec qui je fais actuellement des t-shirts floqués. C'est pas de la broderie, c'est du flocage. Hop, mais du flocage de bonne qualité. J'ai moi-même sélectionné la marque. Alors Bumblebee, voilà. Désolé, j'ai un petit souci de micro là. Voilà. Ouh. Alors Bumblebee, vous arrivez sur leur Instagram, vous cliquez sur le lien de leur site, vous cliquez sur Monsieur JR Artiste qui est ici, et donc là vous avez soit poster d'ailleurs, vous avez deux choix différents hein, de taille, vous avez 100 par 100 à 150 euros, ou 50 par 50 cm à 60. Et il faut savoir qu'ils sont numérotés, il n'y en a que 30 exemplaires. Hop. Sympa non? Ah oui, attendez, je vous mets le lien, ça vous verrez. Je vous mets le lien, mais de cette page-là. Hop. Ouais, j'ai pris du plaisir à le faire, le petit Bob, là, il était cool. Alors, je retourne dessus. D'ailleurs, on va aller voir le Bob, si vous voulez. Donc, par exemple, le Bob, il est dispo en trois couleurs. Mais ce ne sont pas les mêmes couleurs que le Babar. Le Babar, il se fait pas en vert, c'est en orange. On a choisi orange parce qu'il y a du orange dans le tableau. Le Bob l'éponge, j'ai choisi du vert parce qu'il y a du vert dans le tableau, sur la bouteille. Et donc pareil, là vous avez homme ou femme, si vous voulez faire des cadeaux à madame ou à monsieur, et bien voilà. Et pareil, ils sont numérotés. Vous avez le numéro en fait sur le dessin. On ne le voit pas là, on ne le voit pas là. Bon, en fait, dans le coin là en bas, à droite, vous avez un numéro sur 50. Il y a aussi notre artiste, Émilie, que je connais, hein, qui est une rennaise également. Parce que là, c'est Bumblebee, c'est rennais. Hein.
Et alors celui qui se vend le plus, c'est le Goldorak en beige comme ça. C'est vrai qu'il claque bien. Ça va du S au XL. Et donc voilà, tout est numéroté. Et alors quand ils font, parce qu'ils font à la commande, quand ils impriment le dessin, ils l'adaptent à la taille du t-shirt. Donc si vous prenez un XL, le dessin va être adapté pour que ce soit proportionnel et que ce soit joli, quoi. Ok les gars? Bon allez, on s'y remet à ce petit crabe. Hop, on va être sur la dernière ligne droite là. Je remets là-haut. Voilà. De rien, Willy. Et je me remets mon petit modèle ici. Allez, c'est reparti. Alors, on est... Oh, pourquoi il retombe comme ça mon micro, là? C'est chiant. Il faut que je resserre la vis. Allez, on va donc continuer la partie ici. On va venir donner toute la forme au crâne. Donc là, il y a le couleur bleu turquoise, bleu vert d'eau il s'appelle, et donc on va continuer avec un vert émeraude qui est plus foncé. Hop, je reprends mon petit modèle. Vas-y. Ah ouais Billy, t'as suivi le petit voyage au Cap Nord de l'année dernière? Bah, dis-toi que si toi t'as kiffé, moi j'ai surkiffé. C'était trop bien, j'ai juste trop envie d'y retourner en Norvège parce que c'était vraiment trop beau. Peut-être seul cette fois-ci, même si avec Alex c'était trop bien. C'est bien entendu et tout. Parce que je suis parti avec Alex, qui s'appelle Alpha Delta 06 sur YouTube, qui est un YouTuber automobile. C'était très cool, hein. Mais je pense que vivre le road trip seul aurait été une autre aventure encore. Donc je pense que mes prochains road trips, ce sera des aventures seules. Mais ok, bah merci beaucoup d'avoir suivi au Cap Nord. C'était mon premier gros voyage. En fait, en 10 jours, on a fait 10 400 km. Eh bien, merci monsieur Yosho. Oji Yosho. N'hésite pas à t'abonner pour pouvoir me suivre. Petit tuto dessin. Alors, je me concentre un peu là, histoire que je vous fasse un beau crabe. Parce que là on va dessiner un peu la forme du. J'allais dire du crâne, mais vous savez, sur le crabe, il y a toujours des. Espèce d'endroit un peu plus renfoncé que d'autres. Ouais, il est déjà bien stylé comme ça. Là. Vous allez voir après avec le vert plus foncé là tout ici, ça va être encore mieux. Au moins avec ces petits lives, vous voyez d'où je pars et où est-ce qu'on arrive. Vous comprenez mieux un peu mon travail, entre guillemets. Thank you.
chute encore un petit peu. C'est un peu lèche là. Hop, je vais prendre un rouge plus foncé. Alors avant, je vais gratouiller celui-là pour qu'il soit propre pour la prochaine fois que j'utilise. Allez, on passe au rouge, rouge foncé. Il s'appelle comme ça. Sachant qu'après il y aura encore une du noir hein, pour venir appuyer tout le toutes les ombres. Vous voyez, d'un simple, d'une simple idée de dessiner un crabe, voilà ce que ça rend. Et avec le noir, ça va être bien stylé. Donc, je vais le sécher avant de faire des conneries. Alors, où ai-je mis le capuchon ? Merde. C'est un truc qui m'arrive tous les jours, ça. Il est pas tombé ? Alors, des fois, je cherche longtemps un capuchon, et en fait, je l'ai mis au cul d'un autre Posca. Et du coup, je le vois pas, parce qu'il se balade pas. Et c'est des fois, c'est long. Parce que si je retrouve pas le capuchon, il va sécher et le feutre est mort. Il était tombé par terre. Là, on rajoute plein de petits détails à la con pour faire du volume, enfin de la matière, des effets de matière. Comment je parle du dessin? Là, on fait des trucs de merde à la con. Et ça donne l'impression que c'est bien fait.
Je vais refaire un petit focus. T'es mieux? J'ai refait tomber les capuchons. Non, elle est là. Hop. Bon, de toute façon, on va rajouter après les effets encore avec le noir. Là, je vais prendre un petit peu de fluo histoire de faire rajouter du peps au dessin. Ouais, les petits points, ça fait un bel effet de matière. Ça donne l'impression que vous savez, la carcasse a plein de petits trous, un peu comme du grain de peau. Nous, on aurait du grain de peau, bah lui, il a des petits trous dans sa carapace, là, et ça ressort bien. Hop, pour le bleu, je vais mettre du jaune fluo. Avant, je vais passer un petit coup de sèche-cheveux. La frustration avec des Posca et même la peinture en général, c'est que il n'existe pas de bleu qui réagisse à la lumière noire. Ça n'existe pas le bleu fluo en fait. En Posca, hein, je veux dire. Hein. Et j'adorerais pouvoir faire des body painting avec du bleu parce que j'ai énormément d'idées de projets avec à chaque fois du bleu que je mettrais bien et ça n'existe pas en Posca donc je peux pas les faire et c'est une frustration. Allez, je sèche et on attaque les contours en noir. Ouais, alors, il faut savoir que les Posca, c'est des feutres hypoallergéniques. C'est pour ça que souvent on le trouve aussi dans les écoles, les crèches. Enfin pas les crèches mais les écoles primaires ou les maternelles etc. Parce que comme c'est hypoallergénique je peux faire des body painting avec quoi. Alors j'ai pris un noir qui est pas bon. Ouais, si le body painting vous ont plu, bah c'est cool. L'idée là c'est d'en faire un par semaine. Donc la semaine prochaine il faut que je trouve une modèle un soir qui soit dispo. Et puis on va s'en refaire un.
corps de vie, une vie sur une cloche, vie proche, je croche, je suis prêt pour faire son cerveau flosse. On tranche et la nique haute, on se met la mort, on se fout. Salut les Isidore, bienvenue dans ce petit live. Ouais, avec le noir de suite, ça a de la gueule, hein. Hop, je fais le bout des griffes là, bien en noir. Parce qu'il a, bon, c'est pas des griffes, mais il a des, un peu comme des griffes, le tourteau. Sans la maîtrise, tu trouves, Monsieur Camille? Ah, il y a quelques années d'exercice. J'ai toujours aimé dessiner, hein. Depuis tout petit, moi je faisais partie des connards qui avaient toujours 20 sur 20 en dessin. Il y a clair que j'avais des 20 sur 20 par contre, hein. Alors vous voyez le rappeur qu'on entend là, qui s'appelle XXXTentacion, qui est décédé, qui s'est fait assassiner il y a quelques années maintenant. Eh bien, à l'époque où lui chantait et Trippie Redd, etc., toute cette génération-là, je les ai énormément dessinés. Franchement, Trippie Redd, XXXTentacion, d'ailleurs, bah, c'est ceux que l'on voit sur mes premiers suites que j'ai sortis, hein, sur mon Instagram. C'est des rappeurs que j'ai énormément dessinés. Et alors, quand XXX s'est fait assassiner... Alors, laissez tomber. J'ai dû faire peut-être au moins 100 à 150 tableaux représentant XXXTentacion. La plupart des photos... Ah, vous voyez, là, j'ai merdé. C'est pas sec. J'ai pas fait gaffe. Donc, XXXTentacion, je l'ai dessiné énormément de fois. Que ce soit dans des tableaux multitêtes où je l'intégrais à chaque fois, ou des portraits qu'on m'a demandé de faire de lui. Au point que je connaissais ses tatouages par cœur sur son visage, etc. Quoi. C'est un rappeur qui est très tatoué, comme toute cette génération-là d'ailleurs. Bon, comment on va réparer la bêtise là? Je crois que je vais être fait là. Je vais pas pouvoir l'effacer comme ça. Non, mais il faut attendre que ça sèche et puis je vais le sécher et je mettrai du Posca blanc par-dessus. Bah oui, hein. Si je faisais pas d'erreur, ce serait pas drôle en vrai, hein. Je ne connais pas XXX.
vais pas pouvoir te le faire écouter à cause des droits d'image, mais tu tapes XXX Temptation. Non, pas au sniper, c'était au... avec une arme de poing, il me semble. Les mecs sont passés à côté de sa voiture et bim, bim, bim. Il sortait d'un magasin de moto, il l'attendait et bam. Alors, faut peut-être éviter de taper XXX tout seul sur Google, effectivement. Mais sur YouTube, tu peux y aller. XXX Tentation. Avec un C. C'est pas 3T, c'est un C à la fin. Après, il faut aimer, hein, c'est des jeunes. Hein. Et XXX Tentation, il avait vraiment un message pour la jeunesse. De... Alors, c'est un mec qui a mal débuté sa vie, hein, il était un peu violent, c'était un gros violent. Mais ensuite, il s'est un peu repenti, comme on dit, et il s'est fait assassiner au moment où il était le plus. Où il avait compris un peu la vie et ce qu'il avait comme impact sur les jeunes et le message qu'il. Bah, qui leur transmettait quoi. Donc c'est à ce moment-là que s'est fait assassiner malheureusement. Bon, c'est comme ça. Bon après il y a sûrement plein de choses qu'on ne sait pas. Hein. Ok. Merde, j'ai rallumé le micro avant de couper le sèche-cheveux. Je l'ai pas fait dans l'ordre cette fois-ci. Hop. Alors, qu'en pensez-vous déjà là? Pète sa race même. Mais ça n'a pas fini. Mm-hmm.
Oh! Le Camille! Merci beaucoup! Camille, il est chaud. Deuxième don. Incroyable. Inespéré. Merci beaucoup en tout cas. Ce morceau-là est très connu de XXX. Alors là, il est remixé, hein, c'est pas sa vraie voix et tout. Hein. Ça me rend nostalgique, là, cette musique. Dommage qu'on puisse pas mettre des vrais morceaux sur Twitch pour se créer des vraies bonnes ambiances. Encore des lois à la con, ça, c'est dommage. Ah. Ouais, musique de fond, ça passe bien, ça. Hein. Bon bah les gars, je sais pas s'il y a des filles d'ailleurs parmi nous. Des filles parmi nous. Oui bon ça va, ta gueule Julien, ta gueule. Tu me poses une question pour savoir combien de temps j'estime qu'il me faut encore pour finir le tableau, mais pour moi j'allais vous dire qu'il était terminé. C'est peut-être qu'il manque des détails, c'est ça que tu veux dire? De me tordre la tête là, je vais faire venir le chat là en fait, c'est plus facile. Sébastien le Tourteau, on compte plus les heures. Ouais, alors je vais faire les bords en noir également, hein, comme hier. Ça va permettre de donner un petit peu un cadre. Et donc je vais le signer également, bien sûr, celui-ci, et je pense que je vais le signer en bas. Parce que je vois pas trop où mettre la signature. Ouais, en bas, ce sera bien. Classique. Bah, je trouve que cette zone-là, par contre, manque de travail un petit peu. Il faut que je rajoute quelque chose. Cette zone-là, alors on va l'assombrir. Je prends un Prosca plus gros pour aller plus vite. Il est bien chargé en plus celui-là en encre. On peut se mettre un petit coup de lumière noire. Maintenant, je vous avoue que ce tableau-là n'est pas forcément optimisé pour. Là, j'ai mis du fluo pour que ça fasse péter les couleurs, mais dans tout le corps, il n'y a aucune couleur fluo. Donc, bon, ça ne sert à rien qu'on mette la lumière noire. On peut, si vous voulez, pour le fun, regarder ce que ça rend, mais il n'a pas été optimisé pour ça, en tout cas, celui-ci. Voilà, c'est pas toujours l'objectif, hein, de faire des dessins qui réagissent à la lumière noire. C'est juste, je fais ressortir des couleurs en utilisant du jaune fluo souvent. Voilà, c'est mieux là. C'est le plus beau Sébastien.
Bon, puis il y aura ce petit défaut à corriger quand ce sera bien sec et quand je pourrai le mettre à plat. Alors, je vais signer en noir et je vais prendre un moyen noir. Un tout petit, tiens. On va aller petit à petit. Commencer à faire les pronostics de fight entre mes dessins. Ok, tout va bien les gars. On va aller loin ensemble. Voilà, la signature est plutôt bien. Alors, des fois je suis déçu de mes signatures, c'est bête, hein, mais des fois je la trouve pas parfaite et ça me frustre. Ça commence à bailler là, il est temps qu'on arrête. Je fais sécher ma signature, on fait les contours et puis on sera bon les gars. Alors le problème de bavure ici, je le gérerai par la suite. Ce que je fais, c'est que je mets le tableau à plat et je viens poser des gouttes de Posca blanc et j'attends qu'elle sèche bien. Comme ça laisse vraiment un blanc épais et ça fait disparaître le défaut. Soit je fais ça, soit je mets plusieurs petites couches de blanc, mais à chaque fois je le fais quand il est à plat. C'est plus facile. Allez. J'arrête pas de voir des petits détails à refaire. Le fameux son du Posca, le cri du Posca de la nuit. Si tu entends ce bruit un jour dans le noir dans ta chambre, sache que c'est le cri du Posca de la nuit. Je vous le refais. Je vois pourquoi il n'y a que ce Posca là qui fait ça. Le son qui tue, le son qui finit chaque tableau. Donc
vois, c'est un postcard de 14 mm de large, donc autant dire qu'on va bien vite avec celui-là. Deuxième couche. NEC 2.0, on va passer un cap là, non? Je sens qu'on a passé un cap. Les mecs, 2 heures de live, la caméra est lâche. Je suis plus. J'ai une meilleure longévité que ma caméra, moi. Moi je suis là, moi. Bon, bon, on va finir ici, hein. Pardon, le son. Donc oui, bah, il y a le fond vert, donc je peux pas vous montrer exactement le résultat. Bon, vous l'avez vu durant ce live. Je vous fais une belle photo et on se met sur Insta. Là. Alors déjà, demain, demain midi, je pense que je mettrai le requin et demain soir, je mettrai Krabi. Ou alors non. Il faut pas que je les poste l'un après l'autre, sinon sur Insta, ça va faire trop de ressemblance entre les deux posts. Bah, je vais le mettre en story de toute façon. Je vais vous le mettre en story. Et donc voilà. Alors qu'est-ce que vous me dites un peu là? Son, oui. Je me suis craqué. Moi aussi, il y a quelques belles femmes quand même. Oh, bon les amis, ça fait 2h20, je crois que c'est le live. Le plus long qu'on ait fait, moi je me suis levé à 7h, il est 22h, il est temps qu'on arrête. Ben merci pour ce crabe, ouais, j'en suis bien content. Oh, c'est rigolo. Ça pourrait péter un gros crabe comme ça sur un tableau genre de 1 mètre par 1 mètre, ça pourrait être sympa. Mais ça dans un salon, c'est pas joli, ou dans un restaurant. Donc voilà les amis. Fin de live. Bon, je vais pas vous faire gagner celui-là pour l'instant. Peut-être dans un prochain live. Là, je suis un peu fatigué. Et puis, bah, je voudrais qu'on le fasse, vous le faire gagner, mais quand j'aurai mis en place là, le système de tirage au sort
directement sur le live, comme ça, ça ce sera équitable. Ouais, c'était cool, hein. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir joué le jeu, d'avoir échangé. Franchement, je m'attendais pas à voir aussi rapidement un chat sur lequel y a de l'échange, vous participez, c'est cool, quoi. Parce que j'ai déjà fait des lives, hein, mais j'avais en mémoire des lives où les gens parlaient pas forcément. Bon, là, je m'investis plus aussi, je fais plus de choses. Et puis forcément, quand on enchaîne les lives tous les soirs, ça a une certaine récurrence, on met en place une habitude. Et je suis vraiment super content que vous soyez là, que vous discutiez avec moi, c'est cool. Vous commencez même à discuter entre vous. Merci beaucoup à Camille pour ton don. C'est mon premier don sur Twitch, c'est historique quand même. Donc merci beaucoup. Je suis content de partager avec vous mon savoir et ma passion. Bon voilà les amis, on a fait le tour. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Demain donc ce sera live Premiere Pro. Donc c'est un logiciel de montage de vidéo. Et du coup je vous partagerai aussi mes connaissances et je vous expliquerai comment on fait un peu pour faire un petit montage. À demain Bernie, à demain nous. Je reviens parce que je vois que vous êtes là, j'ai du mal à partir. Alors oui, les deux premiers dons, encore mieux. C'est où les dons? Les dons, c'est dans le... Quand tu vas sur Twitch, sur ma page, tu vas dans ma bio. Il y a un endroit où tu as accès à mon Instagram et l'autre côté, c'est les dons. Mais on verra ça une autre fois, t'inquiète pas. Allez, à demain tout le monde. Cette fois-ci, je disparais. Je vous fais des bisous.